الزوجلفة هو مقطع من الخط الاختراقي وسط ممتد من شمال البلاد إلى جنوبها. يمتد خط بوق الزوجلفة على مسافة 140 كيلومتر بسرعة قطارات تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، انطلاقاً من محطة بوق الزول، مروراً عبر محطتي عين وسارة وحسي بحبح، وصولاً إلى محطة الجلفة. يحتوي هذا المشروع على 64 منشأة فنية، منها 3 أنفاق، 25 جسر مخصص للسكة الحديدية، إضافة إلى 20 منشأة ممر علوي زائد 12 ممر سفلي مخصص للسيارات، إضافة إلى 200 منشأة مخصصة لصرف المياه والودية. مر المشروع عبر عدة مراحل، أولها استكمال الدراسات الفنية المخصصة للمشروع le développement des études APD vers l'étude d'exécution du projet. يجينا l'APD واللي هو l'avant projet détaillé، ومن بعد نبعثوا l'entreprise توجد لنا dossier d'exécution. بعد dossier d'exécution يجي عندنا احنا comme bureau d'études نفيريفيوه ونفاليديوه نفاليدا وي نبعثوا l'entreprise pour entamer les travaux. Après avoir des études d'exécution ficelées et un couloir figé du projet, on passe vers les procédures d'expropriation des terrains des propriétaires. Cette procédure sera entamée après promulgation des décrets portant distraction des terres agricoles et celui relatif à la déclaration d'utilité publique sur le journal officiel du projet en question. Suite à la promulgation des décrets, le Wali territorialement compétent procédera à la désignation d'un géomètre expert au niveau de sa wilaya pour l'établissement d'une enquête parcellaire déterminant bien immobilier devant faire l'objet d'expropriation. Cette enquête parcellaire fera l'objet d'un dépôt auprès de la DRAG au niveau de la wilaya et les services des domaines de la wilaya même procéderont à l'évaluation financière qui permettront l'établissement des arrêtés de cessibilité et ceux de consignation qui permettront aussi à l'ANISRIF de procéder à la consignation des fonds au niveau des trésors des wilayas considérés. Suite à la consignation des fonds et paiement des ayants droit, il y aura l'établissement des arrêtés relatifs à la prise de possession et l'arrêté d'expropriation qui fera l'objet de publications au niveau de la conservation foncière permettant le transfert de la propriété à l'ANISRIF. En tant qu'entreprise de réalisation, nous sommes assurés de réalisation de plans d'exécution sur terrain. Pour assurer les plans d'exécution sur terrain, nous réalisons des travaux de déblé ou des travaux de remblai. Comment réaliser des travaux de déblé? Les travaux de déblé, ils sont détranchés de deux parties. Partie de déblé, c'est préparation de terrain et travaux d'excavation. Par rapport aux travaux de remblai, ils sont partagés par trois phases. Premièrement, préparation du terrain. Deuxièmement, le décapage des travaux. Troisièmement, c'est les travaux de remblai. Les travaux de remblai, comment on va assurer les travaux de remblai? C'est réalisé couche par couche et réception géotechnique et géométrique. Le géométrique, c'est assuré par le levé topographique et le géotechnique est assuré par la réception de laboratoire. C'est la compacité ou des analyses de matériel. Afin d'assurer la continuité du projet au niveau des croisements avec les réseaux hydrauliques ou les réseaux routiers, on doit réaliser des ouvrages ferroviaires pour les WED et les passages supérieurs ou inférieurs pour le croisement avec les réseaux routiers. Ces ouvrages sont implantés dans le cas du chevauchement avec les artères routières telles que l'artère routière de la route nationale numéro 1 ou bien pour éviter l'isolement des riverains qui habitent le long de la ligne ferroviaire ou bien pour des passages à fond. Vu la nature de l'emplacement de cet ouvrage, qu'il s'agit d'un environnement paysager, pour les ponts rails, le cas du PK171, il s'agit d'un passage inférieur à deux travées dans sa linéaire constituée de 200 mètres linéaires. Ou bien, et pour le présent ouvrage au niveau du PK177, c'est un pont cadre à poutre en béton armé
Il s'agit d'un passage supérieur de la route nationale 1. Et pour les travaux de déblé au niveau des terrains accidentés, la réalisation des tunnels est favorisée par rapport à l'incidence financière importante. أيضا في إطار تشجيع وتطوير الإنتاج المحلي استفاد المشروع من مصنعين لإنتاج العوارض المخصصة للسكة الحديدية على مستوى عين وسارة وحاسي بعبع، وهذا ما مكننا من الاستغناء عن استيرادها. مراحل سلسلة الإنتاج داخل الوحدة أولتها نبدأ بحضر كيد دراماتير باش نبوزيهم بعد في المول. ثاني مرحلة هي نيتواياج ننظفوا المول من الشوائب اللي راهي تكون وميم طون نزيدوا لي بلاك ايدنتيفيكاسيون نشانجيو لي بلاك صافي تشانج لي بلاك اللي قادر نحيوها ونخلوها ثالث مرحلة هي وضع لاكانو بلاستيك لاكان اللي خاص بالسيستم دو فيكساسيون كاين نابلا ولا فوسلو ثالث مرحلة هي وضع الكيت درماتير في المول رابع مرحلة هي كولاج دي المول خامس مرحلة هي وضع المول داخل لا شامبر دو تيفاج من اجل لا ريبريز ولا دي طون المرحلة السادسة نقوم بالديمولاج اي قولبة المول باستخراج العارضة من خرسانة ثم نقوم بالماركاج ماركاج الخاص بالخرسانة اليوم الخاص بالانتاج او لو دو ترافيرس كاين ثلاثه كاين لو 1 لو 2 كاين لو 3 دي لا ريسبسيون دو لا بلاتفورم بار نو بارتنير تيراسي و اوفراجيست ليكيب توبو سرا اون بلاس بور سا فو دير لا ريسبسيون دو لا بلاتفورم بار نو بارتنير et l'implantation de l'axe de la voie. La deuxième étape, c'est le soudage électrique. Le soudage électrique il se fera par à l'aide d'une soudeuse électrique sophistiquée. Le but du soudage électrique, c'est d'assembler deux barres de 18 mètres linéaires UC60 dans le cadre de notre projet, à l'aide de la soudeuse, pour constituer à la fin un long rail soudé de 288 mètres linéaires. La troisième étape, c'est l'étape de la pose-voie, de les travaux manuels. La première tâche, il y a la distribution des traverses. La distribution des traverses, on dira à l'aide d'un portique traveler, ça veut dire qu'il roulera sur le rail déjà soudé, ou une pelle rail route avec un palonnier pour le travelage. La deuxième tâche de la pose-voie, c'est l'assemblage du long rail soudé sur les traverses. La troisième tâche, c'est de relier le long rail soudé avec la traverse à l'aide du système d'attache adéquat. La quatrième étape, il y a les travaux de nivellement et dressage, c'est-à-dire les travaux mécanisés. Les travaux mécanisés, ils déroulent à l'aide d'une boureuse, et une régaleuse et un locotracteur avec les wagons. Donc, nous avons fait les tâches. Nous avons fait la première tâche, qui est le locotracteur et les wagons. Ils ont fait le déchargement de ballast sur la file de voie. La deuxième étape, c'est le bourrage et nivellement et dressage de la voie à l'aide de la bourreuse. Ça veut dire le premier relevage R1. Ensuite, la régaleuse JT de le profil. Ça veut dire que le ballast du côté vers l'autre côté qui est en train de faire le profil. وهذه الإطاب تزيد تكمل دون الدوزيام رولفاج نفس البروسيسوس راح يتعاود ومبعد نديرو الإطاب تاع البريمير ستابيليزاسيون البريمير ستابيليزاسيون اللي هي نشارجيو بلوكو تراكتور ولي فاغون تاعو نشارجيو من الشارجمون ماكس ويمشيو يديرو لي باس سور لا فوا افيك ان كالكول بيان ديتيرميني بور ستابيليزي البريمير ستابيليزاسيون Le troisième relevage, c'est le dernier relevage avant le nivellement complémentaire. Ensuite, par là, on fait la deuxième stabilisation. La deuxième stabilisation, donc c'est la finale stabilisation. Par la suite, on fait le nivellement complémentaire. C'est la dernière phase du nivellement et dressage de la voie. C'est le nivellement complémentaire. On atteint la ligne FSR du projet. La dernière étape, c'est
la libération des contraintes de la voie. Elle se fera à l'aide des frappeurs et des vérins hydrauliques, ça veut dire pour libérer la voie par toutes les contraintes, et l'incorporation des appareils de voie.